Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo donc assez spéciale. Je vais vous présenter en fait tous mes accessoires pour les cheveux et l'emplacement où je les mets. Voilà, donc c'est parti, je commence. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc en fait je les mets dans une mallette à maquillage. Donc si vous avez des emplacements pour les accessoires à me proposer, envoyez-moi les liens, ou pas très cher bien sûr, parce que voilà. Je vous montre comment ça se présente. Voilà, là je l'ai ouvert. Donc ici il y a toutes mes pinces. Ensuite j'ouvre, il y a encore des pinces, donc mes bandeaux, mes barrettes et tout ça. Maintenant je vais vous présenter mes accessoires. Par contre, je vous le dis, prenez un thé ou quelque chose parce que la vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue. Pour commencer, j'ai une pince rose, donc comme ceci, enfin comme ça. Voilà, donc normal. Ensuite, une autre rose, donc un peu nude, un peu plus claire, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Une rose fuchsia. Oui, donc il y en a que la passion c'est les jeux vidéo, les maquillages. Bon, moi c'est plutôt les accessoires pour les cheveux et les maquillages, bijoux, tout ça, mais plus les accessoires pour les cheveux. Voilà, donc j'en ai deux comme ça. Ensuite j'ai une comme ça, donc une rouge. J'en ai deux comme ça aussi. Une violette foncée comme ceci, une jaune, une bleu clair, une bleue un peu plus foncée comme vous le voyez. Donc désolé du bruit derrière, c'est donc mon copain qui joue à la play. Voilà. J'ai une orange. Une bleue marine. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Une blanche. Donc, comment vous expliquer? Basique. Voilà. Comme tout le monde a, je pense. J'en ai trois comme ça. Une noire. Donc celle-là, j'en ai 6. Une, donc léopard noir et blanc. Celle-ci vient de chez Primark. J'en ai une dans les cheveux aussi. Donc j'en ai deux comme ça. Une violette. Donc plus claire que celle de tout à l'heure, mais on voit pas trop. On dirait qu'elle fait bleu sur la caméra. C'est dommage. Mais elle est violette, claire. Une petite bleu clair comme ça. Bleu turquoise, je crois que c'est la couleur. Ou bleu clair, je sais pas. Et pour finir avec les pinces, une verte. Comme ceci. Ensuite, on va passer aux barrettes. Donc tout ce qui est barrettes. Voilà. Donc des petites épingles comme ça, donc je crois que ça s'appelle des épingles à nourrice. Donc je les ai, en fait ça c'était une bougie de chez Primark, mais comme elle est vide j'ai vidé le pot, puis j'ai mis les épingles à nourrice. Enfin ça s'appelle pas des épingles à nourrice, mais je sais pas comment ça s'appelle exactement, donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Voilà. Non je dis pas. Une barrette comme ceci, violette, violette rose un peu, elle fait, je sais pas si vous voyez bien. Une léopard, j'en ai deux comme ça, voilà. Une bleu clair,
Donc, à paillettes. Une grise. Bon, une autre. Et une un peu couleur crevette, on va dire. Fait enfin, rose, vieux rose. Bon, ça, je l'avais pas, mais ça, c'est mon père qui me l'a donné. Bon, il y a un moment, mais je l'avais pas, ça fait un peu trop enfantin. Une Hello Kitty violette avec le nœud rose et l'habit zèbre. Ok, zèbre. Oh, abeille. Bon, en fait, je continue à parler alors que j'avais mis pause. Donc, très bien. Bref, continuons. Donc, celle-ci que mon père m'a donnée, bon, que je ne mets pas parce que ça fait un peu trop kitsch. Donc, une rose. Vous me verrez avec ça sur la tête, sincèrement, franchement, non. Voilà. Celle-ci. Donc, c'est un nœud avec des têtes de mort. Donc, voilà comment elle est derrière aussi. J'ai un autre nœud rose avec des petites paillettes blanches, petites paillettes argentées. Celle-ci, elle est comme ça, par contre. Voilà. Celle-ci, donc, c'est une plume, comme vous le voyez. Adoré. Ah oui, j'ai donc des petites barrettes comme ça. Donc celle-ci, une en noir. J'ai des petites barrettes en noir. D'autres en marron. On va pas trop là-bas. Une noire en forme de papillon. Voilà. Ensuite, passons à tout ce qui est bandeau pour les cheveux. Donc, headband. J'ai ce bandana. Donc, USA. Donc, là, il y a marqué I love. Attendez, je vais bien vous montrer parce qu'on voit pas trop. Voilà, I love the USA. Voilà, avec des étoiles bleu, rouge, blanc. Voilà. Donc, un banana. J'en ai un noir. Voilà. Un blanc. J'en ai un rose comme ça, mais je sais pas où il est. Voilà. Ensuite, un bandeau, donc je mets ça quand je me maquille pour pas que mes cheveux me gênent. Voilà. Un rose comme ceci qui vient de chez Monoprix. Un nom de chez La Halle, pardon. Un violet à paillettes. J'ai un bleu. Donc, avec un petit nœud dessus, un noir tout simple, tout basique, un orange, un vert. Je m'éternise pas sur ça parce que tout le monde connaît quoi, donc voilà. Un marron à paillettes, encore un noir. Ah non, sauf que celui-là, il y a des petites paillettes dessus, des petits strass. Un rouge simple, un jaune fluo, un vert foncé, un petit plus fin doré, un crème, un rose comme tout à l'heure pour le bleu avec un nœud, donc voilà, un noir avec un nœud qui a des strass. Un violet foncé, un bleu foncé, un rose fluo. Ensuite, donc, j'ai des chouchous comme ça.
qui viennent de chez Primark. Franchement, ils sont très très bien. J'en ai un comme ça, pour ça c'est à ma nièce, donc je le mets pas bien sûr. Avec des petits cœurs. Un rose, un bleu. Un chouchou comme ça, simple. Et pour finir, j'ai un bonnet noir. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié, donc celui-ci est un blanc. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bientôt d'ailleurs. Par contre, oui, j'ai une annonce à vous faire. Je ferai des vidéos donc 2 fois par semaine. Donc, ou 3, ça dépend. Je pense le lundi, le mercredi, non, le jeudi, et le samedi ou le dimanche. Voilà, donc là on est samedi. Demain, je sais pas si je vous en fais une, parce que j'ai peur que ça fasse trop en fait. Ouais, au cas où je vous en ferai une demain ou alors lundi. Non, ça sera mes jours, ça sera le lundi. Le mercredi, le vendredi, non, et le samedi, pas le vendredi, le samedi. Voilà, bon, désolé, je fais que parler. Mais bon. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu quand même. Puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker, à partager. Et à très bientôt. Au revoir. Fais bisous.